imaginer une civilisation étrange. Dans cette civilisation, la richesse ne serait pas le fruit de la matière, mais de l'esprit. Pour être plus précis, la richesse dépendrait du résultat d'une épreuve que chacun choisirait avant de voir le jour pour partir, vivre, mourir et revenir. Et bien sûr, plus l'épreuve sera dure, plus la richesse allouée sera grande. C'est donc en fonction de ce que l'on veut et de son courage qu'est choisie la taille de l'épreuve. Avant le départ pour la naissance, serait effacé le souvenir de toute chose. Et pour corser le tout, c'est dans une planète hostile qu'on va naître, vivre et mourir comme un exilé. La parabole de Vincent Lambert, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Elle est bien loin de votre petit entendement. Pourtant, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Ainsi, lorsque l'exilé voit le jour dans cette planète hostile, il ne sait plus d'où il vient. Il sera pourtant possible de retrouver le chemin, car les anciens ont laissé beaucoup de balises. Mais le gardien de cette planète hostile n'est autre que l'ennemi du roi de notre civilisation étrangère. Il s'acharnera donc pour tromper les exilés, pour qu'ils ne retrouvent pas le chemin. Ainsi, lorsque vient le jour pour chaque exilé de l'épreuve qu'il a choisie, surtout si elle est dure, vous pouvez imaginer dans ce contexte que rien ne sera gagné d'avance. Différents éléments seront pris en compte pour valider ou non cette épreuve. Pour vous en donner une idée, si l'exilé met fin à ses jours, il sera bien moins riche que ce qu'il voulait être. Parabole de Vincent Lambert, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Mais elle est bien loin de votre petit entendement, pourtant elle veut bien dire ce qu'elle veut dire.